Mesdames, messieurs, pourquoi le passé du Congo veut-il? Oui, le passé du Congo, preuve. Le passé du Congo, c'est quoi? Il y a les deux Congo, Brazzaville et Kinshasa, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, la Centrafrique. On peut même étendre jusqu'à une partie de l'Angola, de la Zambie et du Rwanda et du Burundi. Regardez cet écosystème le plus riche d'Afrique. Oui. Ça veut dire que les cerveaux de tout ce que vous voyez là, de président, dictateur, ministre, professeur, tout ça, leur cerveau est géré par des intelligences. Cela veut dire qu'il n'y a pas de cerveau. Mais le peuple souverain cherche à s'affranchir de ces mauvais, de ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles à l'esprit même de la liberté, de la dignité, surtout de la dignité et de la liberté. Mais non, ces cerveaux sont gérés par des intelligences, dont certains, dont la plupart, je dirais 90% sont gérés en accident. Oui, en accident. En particulier aussi en France. Oui, c'est des familles. C'est des noms de multinationales. Ils utilisent la France comme compagnie d'assurance. Avec ses moyens colossaux. Bon, bien sûr, nous allons monter dans des guerres nouvelles. C'est l'intérêt des gens, en fait. Ça va être un défi. Les Arabes nous ont monté toute l'ouverture avec tout ce qui concerne le terrorisme et autres. Ce qui va arriver là. Parce que ce message j'adresse à mes deux amis qui sont au Congo-Brazzaville et avec leurs familles et autres. Je vous demande de rentrer. Entrez maintenant. Parce que la sous-région va brûler. Parce qu'il y a des familles blanches qui ont compris. Vous avez vu le président américain Obama, qui pleure quand il y a eu des blancs qui ont buté des noirs partout. Un président d'une grande puissance pleure. Et on souille la démocratie à son visage de plein froid. Il ne peut même pas réagir. Il y a même un métis, sinon, africain, qui vient d'être élu à plus de 60% au Gabon. Mais non, ça passe pas. Mais attendez, il y a un problème. Donc mon frère, mon ami, on a passé toute notre vie ici en France. Tu m'as aidé en France. Tu es parti au Congo pour faire tout toi. Tu es blanc, avec tes familles, avec tout ça. Rentre. Parce que la situation va évoluer. Parce que nous allons rentrer dans une guerre nouvelle. Compliquée. Il n'y aura plus de quartiers. Blanc ou noir, tout ce qui collabore français, ça devient dangereux. Rentre, rentre, rentre. Je t'en prie de rentrer. Rentre mon frère. Rentre. Je t'en prie de rentrer. Parce que les choses vont évoluer dans le temps qui devient très difficile. Ah mon Dieu. La France met ses sorts en Afrique. Les gendarmes de l'Afrique. L'Allemagne n'a pas de gendarmes en Afrique. Il n'est pas le gendarme de l'Afrique. Mais c'est la première puissance européenne qui est le paradoxe. La France, la première puissance militaire d'Afrique. Donc, il veut garder qu'une Europe militaire avec l'argent du contribuable français. C'est pas. C'est un... Les autres rigolent à côté. Les agents quelque part disent laissez la France jouer sur un petit sa cour de camp. Dans un monde, voilà. C'est comme quelqu'un qui joue à la cour de camp alors qu'il est en train de se former. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce jeu. On aurait pu construire une francophonie. Un écosystème francophone dynamique à cette échelle, dans la démocratie, dans les principes que la France a toujours partagé. Mais non, regarde, au Congo, 8% l'éducateur, il a maintenu au prison des autres, ses opposants. Et ça va arriver au Gabon. Et après,
La RDC à côté. Oui, bien sûr. Le jeu a été bien pensé. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France, tu gardes le choix des gendarmes de la fille. Continue. Mais juste à combien de temps? Voilà. Mais les concurrents sont là. Je vous dis, hein. Mais ça peut être une descente brutale. D'où l'enjeu de trouver un processus qui soit doux. Parce que nous avons des enfants, des petits-enfants aujourd'hui en Europe, en France surtout. Il faut que ça ne soit pas brutal. Hein. Parce que ce qui va arriver, ça va être brutal. Attendez, pourquoi les élus pour les cours? Attendez, mon frère rentre ici en France. Tu es blanc ou non? Parce que ce qui va arriver, il n'y a plus de quartier. On saura que vous êtes blanc, vous êtes ici, voilà. Ce n'est plus des questions de noir, on connaît. Quand c'est arrivé, donc, on a des chaos. Je vous dis sincèrement, la France est en train d'activer ou d'anticiper le processus des chaos. Voilà, attendez. Mais dire, ah, tu es merde. C'est pas vrai.